Bon, nouvel épisode sur Six. Alors, ouais, on continue du coup. Donc, on est sur le vaisseau là, impérial là, l'aéronef. Et puis, donc, il faut qu'on vole des gardes. On avait déjà nettoyé ce bâtiment là à droite. Là, on venait de celui-là qu'on avait terminé. On avait nettoyé la partie à droite. Donc, il nous reste à nettoyer la partie du milieu et la partie à gauche. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc là faut qu'on vole. Donc là il va falloir que je trouve un moyen de descendre. Cela on va me voir. Jeter à la poubelle. Alors, les œufs là, on a trop. Ouais. Ça, c'est pour nous. C'est du minerai de fer. Ça en a déjà trop aussi. Parce qu'ici, ouais, c'était nettoyé, hein. Ouais. On avait juste pas récolté des trucs dans le coin, c'est tout. Donc là, on a juste un mec. Ici. Ciao mec. Derrière la porte, je me souviens qu'on avait nettoyé. Hop. Alors là, il y a une cloche. Il y a aussi le rondin là. Le rondin. Ça va être pour se le faire lui là. Voilà. Voilà, il n'y a rien. Donc au final, c'est une fausse alerte parce qu'il n'y a rien.
peu de monde là, tout de suite par ici. Viens la rallumer si t'es un homme, viens la rallumer. Si t'es un homme. Allez, rallume-la. Vas-y, rallume. T'es un homme ou t'es pas un homme? Nobody there. But better safe than sorry. Allez, dégagez de mon navire. Parce que là, tu vois, on voit qu'il y a une porte là. Mais il y a accès par en dessous. On sait qu'il y a encore moyen d'aller en dessous. Sur 20, c'est pas mal. Nice. Pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Maybe it was nothing after all. Nothing to report. Tendu.
What the? Oh, tant pis. Hein. C'est pas grave. Au moins, les deux me font plus chier. Voilà d'ailleurs. Tac. Tac, comme ça, 5 sur 15 de minerai. On en a plus. Un peu. Hop, fiole d'ombre, allez. C'est bien ça. Ça, ça nous mène à l'autre côté. Qui s'en va déjà. C'est pas mon œuvre ça. C'est pas mon œuvre. What the? Nothing to report. Hop. La potion de santé, mais on en a rien à foutre, ça ne nous sert pas. Je pourrais, ouais, voilà, je peux pêcher quand même un truc là-dedans. Alors qui c'est qui m'a aidé à cacher un cadavre du coup? Hop, encore un jeton. Bon ça c'est pour ouvrir, pour qu'il mène sa main sur l'autre pièce. Mais donc ça c'est bon, on a tout récupéré. What is it now? This is weird. Ah oui, putain, d'ailleurs faut toujours que je les vole eux en haut là. Je crois que c'est la mission secondaire en plus, alors il va falloir que je les vole avant d'aller voir le spectre. Le spectre là on va le faire en tout dernier hein. Allez, ciao, capitaine Crochet. Ça, c'est mort. Ah.
Non. Mon nettoyage. Voilà. Donc les deux toujours pas. Petite fiole d'ambre. Hop là. J'ai peur que lui en bas là il m'entende. Donc again. Oh non. Charger la dernière partie hein. Oh merde, putain, fait chier. J'espère que c'est pas trop loin. Oh, c'est hyper loin. Non. Pourquoi j'ai fait ça? C'est hyper loin. Rata. Oh non. Oh, j'ai tellement la haine, putain. Oh, j'ai tellement la haine. Oh non, il y a tellement de trucs qui ont été faits en plus. Ça on peut pas ramasser. Looks like someone else is hiding corpses in cupboards. Small world. Oh putain, le jeton il me l'avait pas. J'avais pas enregistré le jeton là. De toute façon on était à 14 sur 20 hein, je crois. Pas plus hein. Ça sera moins propre que ce que ça l'était, mais... On aura rattrapé un peu, hein. Ah, ah putain, je suis déçu de fou, là. J'ai niqué le truc, là. Faut quand même penser à faire des sauvegardes, quoi, hein. Sauvegarde maintenant, c'est pas mal. What was that noise? There's an intruder. Keep your eyes open. Oh non. Ah, j'ai niqué. Ah, j'ai niqué le bail. J'ai niqué le bail. Oh putain, ah, quand c'est la loose, c'est la loose jusqu'au bout. Hein. Putain de merde. Ah.
guard, something's on the loose. Okay, I'll take care of it. And that's number two. You are Gary? Where'd you steal that one from? Bon. On en aura utilisé une, pas grave. Oh non. Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. I thought I was sick. Ah, je suis au bout de... nerveusement, je suis au bout de ce... Ah, je fais que de la merde. Oh là là là. Ah, puis vous, ce que vous savez pas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait que de la merde, mais dans tous les dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas que la seule merde que je suis aujourd'hui, hein. Sur tous les jeux, j'ai fait que de la merde. Il y a des jours comme ça, gros, où tu... Genre, tout ce que tu entreprends, foire. C'est... T'as pas une seconde de répit, quoi. Tout ce que tu entreprends... Et niqué, nul, nul à chier. J'aurais pu faire ça aussi. Ok. Bon, très bien. Alors là, normalement, il me restera plus que le sous-sol à faire. Du coup, bah, pour aller voir le spectre. Sinon, tout est fait. Ouais, tout est fait. Là, il ne reste plus qu'à aller observer. Ah non, il y a peut-être l'étage de dessus là. Oh. Je préfère regarder quand même parce que si tu loupes un truc, après t'as bien le mort. Si t'as loupé un truc qui était pile en haut d'une merde comme ça là. T'as bien la haine. Bon, là, normalement, y'a rien. Mais... Je préfère. What was that? A big fat roach. I'm gonna take it out. Here! The prick has been to be skilled. Je suis au bout de ce que je peux supporter là. J'en ai marre. Je ne fais que de la merde. J'en peux plus, j'arrive plus à réfléchir. Je crois que je suis fatigué en vrai. Je crois que je suis... Je crois que je suis à un niveau de fatigue sans précédent en fait. Oh, mon dieu. Mon dieu. Sale merde. Putain, y'a rien en plus, hein. Tout ça pour rien, hein. Allez hop, personne ne te voit ici. Y'a un truc en bas là-bas. De toute façon, on verra après. Dès qu'on aura fini de fouiller cet énorme truc là. Quand on reviendra, on fouillera quand même cette plateforme là. Putain de merde, l'enfer. Sauvegarde, on sait jamais.
là le mec en dessous il va le voir, non? Non? Faut croire que non, hein. Allez, encore un jeu de mots ici. 16 du coup. Il va m'en manquer 4. Parfait. Petit œuf de poule là, on peut pas. Ça dans le doute, on va la piéger. Ok, donc je pense qu'à cet étage, tout est bon. On va quand même vérifier qu'on n'a rien oublié, mais je pense que globalement, ouais, globalement tout est bon. Yes. On va éteindre les lumières, on est mieux dans l'obscurité. C'est tout. Il n'y a pas grand chose. Encore un petit jeton. Hop. 18. Et on va y arriver, hein. Petite sauvegarde, hein. On sait jamais. Je la tente maintenant. J'ouvre comme ça, c'est plus praticable par la suite si jamais on n'a pas besoin de se faire chier. Sauvegarde.
ça on sait qu'il nous en reste plus que 20. J'ai niqué toutes mes fléchettes. Ah ouais, on les a pas refaites. Ah, j'ai dû recharger entre temps. Ah, lui il vient par là, il fait une espèce de grande ronde alors que lui il fait juste des allers-retours entre ici, c'est ça? Je crois que c'est ça. Donc lui on va pouvoir se le choper un peu plus loin, tandis que lui on va pouvoir se le choper par ici. Toi lui il fait quand son aller-retour lui? Tu vois, lui là-bas il va repartir par là-bas. Il arrive par ici, il fait son truc dans le coin là. Là on peut se le faire maintenant. Voilà. Tandis que lui, on peut se le faire now. Voilà. Et là on peut fouiller tranquillement, même si bon, on avait vu qu'il n'y avait pas grand chose, mais au moins c'est vidé, il n'y a plus personne dans la zone. On peut avancer gentiment et clear cette zone là à l'ancienne. Il y a l'air d'avoir personne par ici. Ça a l'air pas mal. Tac. Bon là ça mène à la même zone, mais au cas où il y a quelque chose derrière cette porte là, on connaît les développeurs de Styx. C'est des salauds. Mais qui te cachent des trucs partout, dans des zones où tu t'y attends pas du tout. Allez, le minerai, je suis à sec. Deux ils tournent ensemble quoi. Nice. Parce qu'il y en a un des deux qui va vouloir allumer la torche. Bizarre. What the?
did he go? Let's try to stay sharp. J'ai réussi à la voir. Oh oui. Voilà. Niquez vos mères maintenant. Sauvegarde, on sait jamais. C'est un moment chiant. C'était pris qu'il fallait réussir à les séparer les deux là. C'est chose faite, mais j'en ai un peu chié. Fallait trouver le timing. Il fallait avoir un peu de chance en même temps. À un moment donné, les deux vont être en bas là. La question qu'on se pose tous. Avec un truc de diversion, il y a peut-être moyen que... Oh la dinguerie. Oh, ce que j'ai fait, c'est une dinguerie. Bon, tant pis, hein. Système B, hein. Plan B. Système D, plan B. Ah bah non, déjà... Ah ouais, donc les deux viennent en dessous. Ah putain de merde, fait chier. Oh. Oh. Bon bah tant pis. Hein. Les deux étaient en dessous, j'aurais pu faire d'une pierre deux coups, mais c'est pas grave. Méthode compliquée. C'est ce que je vais faire. De toute façon, c'est merde là. T'en récupères trop à chaque fois là. Autant que ça serve. What the? Voilà.
c'est bon, ça je vérifie quand même dans le doute, hein, mais normalement on est bon, ouais. Mais d'accord, donc ça c'était juste pour monter. Nothing to report. C'est pas grave, hein. Voilà. À un moment donné, ça commence à casser les couilles. Voilà, 20 sur 20. Hop. On va pas relancer 150 fois, hein, frérot. Hop là, voilà. À l'ancienne, brute de décoffrage. Hop, et puis bon, bah là, du coup, il n'y a plus qu'à aller récupérer. On va récupérer les quelques merdes qu'il y a sur le trajet, mais. Normalement, tout est bon. On récupère ça. Ça, c'est trop. Les œufs. Ça, on peut récupérer, je pense. Ah non. Hop, bon, bah, il n'y a plus qu'à descendre. Nickel. Ah merde, putain. Hop. So now what? I'm gonna crash. Et puis quoi encore, je vais débarquer à l'intérieur et lui chanter bon anniversaire. La petite trappe au-dessus de la porte, c'est plus dans mon style. La troisième. Get out. As you wish, sir. Oh merde, putain. Grown even smaller, little mouse. The hell with you and your bullshit magic. A talking goblin, eh? Yeah, I can talk. Fuck you. Can you change into a sandwich? I skipped lunch. Your resistance is remarkable. Nothing personal. Oh. So you're using amber, are you? In fact, tu tournes alors. Est... ah ouais, je peux pas jouer un elfe noir moi. What's going on? A goblin! He stole a scepter! Alarm! Alarm! I will find you and I'll shove that scepter where the sun don't shine. Ce sceptre là où je pense. Ok, et là faut que je fuis, ok. Et sauf que là en fait du coup mais on a tué tout le monde nous.
Qu'est-ce qui pourrait bien nous poser de problème là? Tout le monde est mort. Bah ouais. On a tué tout le monde, alors y'a rien qui peut me poser de soucis. Putain. Heureusement que j'ai ouvert les portes, hein. Oh l'enfer. Je sais même pas comment il restait deux mecs sur le... Ah bah il restait que les deux seuls mecs avec qui il était dans la salle, hein. C'est tout, hein. Il s'était... Shapeshifting elf and a thief. Well, I hope that Haladrin will believe this. Et il restait plus que trois gars, quoi, sur le truc. Deux humains, puis l'elfe noir, là. Mais putain, ouais, il se bat bien, hein. C'est pas bien. Ombre, alarme déclenchée. Ah putain, j'en ai. Putain, ouais, j'aurais peut-être dû relancer juste pour ça. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu 20 PC au final. Bon. On va retourner à la planque ou quoi? Histoire de se mettre quelques points. Puis on se laissera à la planque. Compétences. Alors, donc du coup c'est dans perception ou assassinat qu'on voulait mettre. Je sais plus. La vision d'ombre permet de sentir l'odeur des ennemis. Ouais. Stick sent la présence d'objets non visibles. Et il réagira en émettant un Ah ouais. La vision d'ombre n'a pas besoin d'être activée. Ah, par contre, d'accord. Ah. Pourquoi pas alors? Assassinat. Technique d'agilité permettant à Styx de déclencher un assassinat aérien 3 mètres plus haut. Technique de défense permettant à Styx de parer les attaques. Bon, ça, non, ok. Permet de récupérer l'objet posé à la ceinture d'une victime durant son assassinat. Styx est plus précis et peut maintenant viser et lancer ses projectiles 5 mètres plus loin. On va partir là-dessus. Lorsque Styx est invisible, il ne génère plus aucun bruit. Il peut alors courir sans risquer d'attirer l'attention. Ça c'est cool. Le saut et les réceptions au sol sont deux fois moins bruyants et les blessures subies par les grosses chutes sont nettement réduites. Durant l'utilisation du pouvoir d'invisibilité, le délai avant que la jauge d'ombre ne commence à diminuer passe de 1 à 3 secondes. Styx peut rester invisible plus longtemps sans consommer davantage d'ombre. Ça, de toute façon, j'aurais pas assez. Et alors maintenant, est-ce qu'on part là-dessus? Ou est-ce qu'on part sur le chapardage, hein? Sur le chapardage, allez, let's go. Parfait. Ça c'est bon. Là c'est pour rejouer les missions. Et là y'a rien. Ok. That's a lie. I wish it was. How do I know you haven't double-crossed me? Easy, big girl, or I'll cut you down to a size petite. What is it? Why does everyone want this scepter? It serves as an invitation to a diplomatic summit in the home of the elves of Koringar. And you need the scepter to spy on them. That's probably what the elf wants it for, too. Koringar is a fortress. There's no way I can force my way in. Hey, you mean we. I'm as eager as you to find that fucking shape-shifting elf. Elves cannot shape-shift. It's impossible. Right. And goblins can't talk, either.
a merchant ship. We too will change shape into a merchant ship. And I'll take care of the elf, because now it's personal. Bon, ben voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter là, nous, pour cet épisode. Et on reprendra la prochaine fois, du coup. Ben pour le prochain épisode, hein. Et puis voilà. Bon, putain, ça a été, laborieux, hein. À un moment, on en a chié parfois. Mais ouais. Bon, ben du coup, on s'arrête là. Et puis, ben, je vous dis à dans une semaine, les rails. Allez, ciao.